nous prenons tout ce temps de protocole, juste pour le moment. C'est une joie de les voir. Nous attendons aussi, bien sûr, la présence du directeur général du musée des arts et rites et traditions. Oui, classe. Le directeur général des musées et des arts que nous vous invitons, qui fait actuellement son entrée, et j'espère bien que Mère Aziz Enanga est confortablement assise. Donc, monsieur le directeur général, est-ce qu'il est prêt? Vous savez, il a toute une paperasse à organiser. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais je profite de l'occasion de m'asseoir à côté de Mère Aziz Enanga, parce que la première fois que j'ai vu cette dame à la télévision, j'avais 4 ans. Donc, imaginez, aujourd'hui, j'ai 35 ans d'âge, mais la première fois que je vois cette dame, j'ai 4 ans, elle chantait Africa. Je vous demande une fois de plus d'applaudir pour cette dame. Effectivement, effectivement, classe. Rappelez que nous sommes, le choix de son parrainage n'a pas été fortuit, parce que Madame Aziz Enanga est une entité, comme d'ailleurs les deux marraines qui sont passées bien avant, deux dernières éditions. Effectivement. Des entités de la culture gabonaise. Et nous sommes fiers que nos mamans comprennent la vision de leur enfant. Parce que nous, nous sommes les enfants, et lorsque nous les appelons et qu'elles répondent, nous sommes les plus heureux du monde, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'on va vous fatiguer avec ça, mais applaudissements encore une dernière fois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Applaudissements, applaudissements. Merci. Donc, parler de la Black History Art. La Black History Art est donc un festival qui est né de la Black History Week, sinon la Black History Month, parce que c'était un mouvement qui a commencé d'abord pour un week-end. Après, le week-end était la Black History Week, c'est devenu en un mois la Black History Month. Et depuis toutes ces années, la Black History Month a été célébrée tous les mois de février jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu un génie gabonais, une panthère noire, qui a réfléchi et pensé que c'était un concept qui ne devrait pas dormir chez nos frères de l'autre côté de l'Atlantique, mais que c'est né ici. Si on parle de Black, si on parle de la culture noire, c'est d'abord l'Afrique. L'Afrique que nos mamans ont chanté, que Madame Aziz Enanga a chanté, que ma maman Anifa Bajede a chanté, que maman Justine Mitsa a écrit dans les livres. Donc c'est tout à fait légitime et opportun aujourd'hui de pouvoir parler de Black History Art, parler de l'histoire de l'art noir ici et maintenant dans notre musée, ici au Gabon, la capitale du peuple, du monde bantou. Merci. D'accord, donc ça veut dire tout simplement que nous sommes exactement au bon endroit et au bon moment, c'est ça? En effet, bien sûr. D'accord, en attendant que nous sommes en train de patienter l'avènement du directeur général, nous profitons, ou encore je profite de l'occasion, de vous souhaiter à tous et à chacun les vœux de meilleur et plus de santé. Oh. Santé, santé. Donc pour ne pas dire plus d'argent, plus de ceci, plus de cela, parce qu'on ne peut pas consommer de l'argent si on n'est pas en bonne santé, c'est ça, monsieur le président? C'est ça. Plus de santé pour vous, parce qu'en ce moment, nous savons que nous avons nos frères, des sœurs, des amis qui sont actuellement couchés dans des hôpitaux, qui souhaitent être parmi nous, mais le bon Dieu nous a fait une grâce. Nous avons, l'arrivée des officiels du musée. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la présence de monsieur le directeur est imminente. Mesdames et messieurs, si vous appelez, je vous demande de vous lever pour accueillir ici et maintenant le directeur général, l'administrateur général du musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Le respect, merci. Discrétion, s'il vous plaît. Vous savez pas si vite. En attendant l'Institut, les membres de l'Institut français, permettez-moi de saluer ici la présence de monsieur Ovenga, dans notre langue, on dit Ovon, chez nous les formes, on dit Ovon, qui est un arbre très puissant contre les malfaisants, les esprits malfaisants. Et en français, C'est l'olivier. D'accord. Voilà, un arbre gracieux. D'accord. Donc, monsieur Ovenga a, depuis 3 années, soutenu avec le Musée national des arts et traditions, soutenu ce festival. Donc, je vous demande, avant de vous asseoir, justement, ovation encore une dernière fois pour ce monsieur. Merci beaucoup. Merci encore, monsieur Ovenga. C'est la jeunesse gabonaise qui vous remercie. Maintenant, nous avons les représentants d'une autre institution où on vit des cultures. Et c'est bien que vous soyez restés debout, parce que, Darrel, nous allons recevoir les représentants de l'Institut français du Gabon. Nous avons la responsable communication et la déléguée, la responsable culturelle, l'UNIS Gabon. Bonsoir, puis nous devons applaudir. Ce sont des dames très charmantes.
est très importante pour ce que nous faisons ici. Mesdames et messieurs, désolé, mesdames et messieurs, maintenant, Darrel, je te laisse le moment solennel justement pour annoncer les hostilités. D'accord, merci pour les hostilités. Donc je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre place. Veuillez vous asseoir. Donc, une fois de plus, bonsoir et merci à tous et à chacun d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous remercions également aussi la presse qui est bel et bien représentée. En ce qui concerne les jeunes et la jeunesse, permettez-moi de vous donner une information, une doc que beaucoup ignoraient en ce qui concerne Mère Aziz Inanka. Pour ceux qui se souviennent, est-ce que vous connaissez l'artiste qui a chanté Interdit de stationner? Frankie Neftali. Interdit de stationner, si c'est pas... Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai l'honneur de vous présenter la mère de l'artiste Frankie Neftali du label Ebel Entertainment. Donc imaginez bien, comprenez automatiquement le talent de notre frère Neftali qui a toujours fait la fierté du quartier Sotega. Ah oui, il a toujours crié Sotega, et de savoir que notre frère est également le fils de Mère Aziz Inanka. Maman, avant de passer la parole au DG, on est déjà très content de savoir que vous êtes parmi nous. Voilà, nos enfants sont là, la presse est là, nous sommes là pour passer un très bon moment. Oui. Alors Darrel, nous allons donc lancer les hostilités comme bien sûr. Dit. Nous allons donc rappeler le programme. Nous sommes à une conférence de presse et nous allons donner la parole à tous nos convives. Nous allons premièrement avoir l'intervention, l'allocution de monsieur le directeur général, l'administrateur, s'il vous plaît, l'administrateur général du Musée national des rites et traditions du Gabon. Ensuite, nous aurons le mot de madame représentante de l'Institut français. Elle vient représenter aussi. Qui est là, madame Lunis Gabon. C'est drôle, elle est représentante de l'Institut français qui s'appelle Gabon, de nom de famille, bien sûr. Lunis Gabon. Et chaque jour, je donnais un nom. Aujourd'hui, j'ai décidé de l'appeler Bouy. Voilà, aujourd'hui, je l'appelle Bouy. Hier, c'était la baranée. Donc, ensuite, nous aurons l'intervention de madame Leslie, responsable du Festival Black History Arts. Et bien sûr, nous aurons les interventions de nos marraines qui sont là. Nous aurons, bien sûr, respectivement, madame Anne-Fleur Bachelier. Ensuite, madame Justine Minza. Et pour clôturer, justement, nous allons donner la parole à madame Aziz Inanka, qui est la marraine de la troisième édition du festival Black History Art. Mesdames et messieurs, ovation pour ce panel d'intervenants. Merci. Merci. Donc, sans plus tarder, on va passer aux choses sérieuses. Donc, nous allons devoir remettre le micro. Et solennellement, monsieur le directeur général, je profite de l'occasion de vous souhaiter mes vœux d'ailleurs plus de santé. Le micro est ouvert, vous pouvez parler au micro. Vous avez la parole. Merci. Encore bonjour à tout le monde. Et comme vous, nous allons souhaiter à tous ceux qui sont venus nous voir ce jour les vœux les meilleurs. Le musée a demandé aux ancêtres, aux mâles, aux lieux tout puissants, d'apporter cette année au Gabon un soutien particulier. Et l'actualité pour ce qu'on avait anticipé depuis décembre, fiche de vœux, parce que tout le monde a compris la nécessité, n'est-ce pas, de convoquer un certain nombre d'éléments immatériels pour permettre la paix et la stabilité. Et c'est toujours en pensant à cela que, lors du festival Talent Gabonais, lorsque celui qu'on appelle le PCA de la musique gabonaise a fait son intervention, d'accord, il avait sollicité la pérennisation des activités culturelles. Et nous nous battons avec Mister No pour faire en sorte qu'avec les maigres moyens que nous avons, nous puissions, n'est-ce pas, reproduire chaque année ce festival et permettre, n'est-ce pas, au monde culturel de s'enrichir. Parce que les ateliers de formation auront, n'est-ce pas, lieu aussi bien ici au Musée national qu'à l'Institut français, permettront, n'est-ce pas, de créer toujours des relations et, n'est-ce pas, d'enrichir les uns et les autres. Donc, le Musée national vous dit merci à tous de faire confiance au musée. Merci à tous de faire en sorte que nous puissions continuer chaque année, en février, d'organiser
ce festival Black History Art. Encore une fois, merci et bonne heureuse année à tous. Merci. Merci DG pour ces propos. C'était très content de savoir déjà que vous êtes toujours derrière nous pour soutenir la jeunesse. Donc, on va passer à la deuxième intervention. Donc là, cette fois-ci, je me retourne du côté de l'Institut français. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir et bonsoir tout le monde. Content vraiment de voir cette salle nombreuse et aussi bien remplie de personnes de qualité. Oui, de savoir que l'Institut français est parmi nous. Oui. Oui, pas seulement parmi nous, le festival est vraiment soutenu et vraiment encouragé par l'Institut français. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec nous et avec Leslie pour pouvoir accompagner la mise en place de ce festival, qui est déjà à sa troisième édition, qui est preuve encore une fois qu'on est face à une initiative non seulement merveilleuse, mais en plus qui perdure, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. C'est un festival qui met en avant le multidisciplinaire, que ce soit l'art oratoire qui est très présent au Gabon, que ce soit la musique, que ce soit la danse, la photo, et qui, pour cette édition, est aussi internationale, puisque nous soutenons également nos avec la venue d'artistes de Guadeloupe qui seront là pour la photo, pour la danse et aussi une compagnie Nukpo qui est une compagnie béninoise. Donc le festival continue, j'ai envie de dire, son chemin de déploiement et tout en mettant en avant la culture gabonaise avant tout dans la collaboration avec les différents pays internationaux qui sont invités. L'Institut français est vraiment ravi de pouvoir soutenir le festival cette fois et on espère qu'il va continuer dans cette démarche. C'est notre souhait de tous, une fois de plus. Merci et on l'accompagne avec des applaudissements. Et préciser que nous sommes à la troisième édition. Voilà, c'est ça, la troisième édition. La troisième édition du festival Black History Arts qui s'organise chaque février de chaque année depuis 3 ans, malgré le Covid, vous voyez un peu, et nous en sommes sortis. Et justement, c'est grâce à des personnes de qualité, justement, telles que Madame Leslie, à qui je vais remettre le micro maintenant. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais me mettre au milieu, histoire qu'on me voit bien. D'accord. C'est bon ici? J'ai écrit ce que j'allais dire, histoire de ne pas perdre mes mots et de ne pas aller dans tous les sens. Déjà, merci à tous les intervenants, à vous, à nos marraines de haute qualité, au DG du musée qui nous fait confiance à chaque fois, à l'IF qui nous encourage et qui nous soutient. Je suis ravie de vous accueillir à l'ouverture de la troisième édition du Festival Black History Arts. On ne dit jamais 203, c'est la preuve. Le Festival Black History Arts, c'est la célébration de l'art, mais pas que. C'est la promotion de l'art par la réappropriation de notre culture noire en général, africaine et gabonaise en particulier. C'est surtout un carrefour d'échanges entre les acteurs culturels, les artistes professionnels et les passionnés d'art et même le grand public. À travers cette initiative, nous prenons l'importance de la réappropriation culturelle par le biais de l'art, non pas seulement en tant que divertissement, mais en tant que vecteur de messages importants pour la cité. C'est pourquoi à chaque édition, en symbole d'une renaissance artistique gabonaise, nous avons une marraine d'envergure. Après les 2 précédentes éditions marrainées successivement par Maman Annie-Flore Bachelet-Elis et Maman Justine Minsa, la marraine de la 3e édition est l'iconique Maman Aziz Inanga, première artiste chanteuse gabonaise à performer sur des scènes internationales. Le thème de cette édition est Bantoufonie. Il représente la diversité culturelle et linguistique d'une civilisation qui a fait éclore de par sa migration des centaines de langues et d'ethnies. Mais ce thème signifie aussi étymologiquement « homme » au singulier, donc l'unicité. Nous célébrons donc cette année la culture bantou, une culture unique mais à la fois plurielle. Nous avons travaillé sans relâche pour offrir une expérience artistique exceptionnelle avec une programmation pluridisciplinaire comprenant le chant avec Massi Lema, le rap avec DJ Fléo et Bapunga, la danse avec Michael Anissé, le slam avec Larry et Souma, le cinéma avec Jérémy Choua et Nadine Otobogo,
La mode avec Ivan Izango, Isis de Longueur et Chouchou Lazare. L'art culinaire avec Chef au miel et bien d'autres. Nous aurons des conférences sur des thématiques importantes, telles que l'entrepreneuriat et la responsabilité sociale de l'artiste, avec Maman Annie Flore, Charlie Tchatch et Bunny Claude Massassa. La littérature et l'écriture noire à l'ère du numérique avec La Petite Dame, Chelsea 241 et Sylvine Sam. Le développement des carrières et la gestion des projets culturels avec Magali Bora et Edgar Yonkeu. Cette année, le festival a une dimension internationale grâce à la contribution de notre partenaire favori, l'Institut français, avec l'arrivée d'artistes guadeloupéens et béninois, tels que Anaïs Cheleu et la compagnie Nupo. Ces artistes, nous dévoileront le projet C'est con sanouillé, qui veut dire expression de ce que nous sommes, composé d'une conférence sur les liens entre le Royaume Congo et les Caraïbes, un atelier photographique et une performance dans ces photographies nommée « Les morts ne sont pas morts ». Le festival aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la contribution de tous les artistes intervenants et entrepreneurs culturels qui nous offrent le fruit de leur expérience, de leur expertise. Un grand merci à nos précieux partenaires, le Musée National et l'Institut français. Merci également à tous les médias, particulièrement les médias partenaires tels que GMT, Belly Tribe, EBS Concept, Gabon Télévision, Gabon Culture, Gabon Review, XXL au Mic, La Doc, merci à OSPRO, merci à tous les bénévoles et merci à tous les festivaliers qui vont contribuer à ce festival. Ce n'était pas dans le discours, mais je tiens particulièrement aussi à remercier l'initiateur de ce festival qui n'est autre que Slam Master No. Je suis convaincue que ce festival sera une source d'inspiration pour tous ceux qui y participeront. Je vous souhaite à tous un bon festival et espère que vous serez, que vous apprécierez chaque instant de ces journées à venir. Parce qu'on a un mois ici. Merci à tous. Merci beaucoup. Pour la précision du fameux mois de février, donc on va dire que l'événement, la troisième édition, est prévu pour le 1er au 28 février de cette année, donc pendant tout ce mois, donc il y aura des ateliers qu'on a eu l'occasion d'écouter le programme décliné avec les participants. Donc vous remarquez bien qu'il y aura pas mal des acteurs culturels chevronnés tels que M. Edgar Yonkeu. Il y aura plein de bancs, donc ça permet aussi de profiter à toutes les personnes de venir participer aux ateliers. Également le cinéma qui sera bel et bien représenté aussi par le réalisateur Jérémy Tchouin. Je profite de l'occasion dans ce sens aussi de me présenter. Je suis normalement l'homme qu'on appelle Darren Fololo, a.k.a. Fololo Central, l'enfant nourri dans les eaux de la Bouéguédé. Et la Bouéguédé se trouve à Koulamoutou. C'est au Gabon. Ça c'est clair. Et je suis également celui qui interprète le rôle de M. Armand Bécalé dans la série Le Chic, Le Choc, Le Chèque, produit par Gabon Égalité. Donc là, c'est pas l'acteur, c'est l'animateur que je sors. Des génies gabonais qu'on peut vraiment applaudir. Merci. Vraiment applaudir, c'est vraiment. Juste dire qu'aujourd'hui, nous sommes comme dans une grande finale. À la première édition, maman avait parlé seule, que c'est la marraine, qu'elle pas. À la deuxième édition, maman Justine aussi a parlé seule. Ouais. Mais pourquoi la troisième édition, tout le monde est là pour parler avant que maman ne parle? Mais c'est parce que nous sommes dans une grande finale. Bien sûr. Nous sommes à la lisière du partage en ce qui concerne la Black History Art. C'est pourquoi je vais remettre. Arrête, tu vas m'aider? Oui, merci. Nous allons remettre le micro. Donner la parole à la première marraine de ce festival, c'est qui a bien voulu croire au Slam Master No, c'est fou. Voilà, parce que l'artiste est fou. Mais voilà, on a nos mamans qui savent que même si l'enfant est comme ça, il n'est pas fou. Voilà. Donc merci maman, à toi la parole. Akiba, Akiwa. Ken Bolo Ano. Mbolo. You thought my man got along with me,
Je chante et je pleure de joie. La première fois que j'ai eu cette voix à mon oreille ou à ma feuille, j'ai entendu un esprit me parler de l'avenir, me parler de cette soif, de parler de lui, de sa différence, de sa culture, de son devoir, de sa part. Non. Non. Tu es où? Non, tiens le micro. Cette voix a pris place dans mon cœur. Cette voix a pris ses cinq doigts et a attrapé mon cœur. Et cette voix m'a interpellée en me disant, quelle est ta part dans ce que je vois, dans ce qui vit en moi, dans ce qui me manque et dans ce que je dois donner. En 1988, j'ai chanté pour la première fois ici au Gabon. Et quand je me suis retrouvée en France, quand on m'a donné le micro, je regardais derrière en me disant, il ne faut pas que je me perde ici. Et je regardais dans mon panier, je vis tout ce que j'avais, tout ce que j'étais et tout ce que j'avais le devoir de garder et de transmettre. Quand je refusais les propositions de maisons des disques qui me demandaient de paraître et de paraître, c'est parce que je voyais ma responsabilité et je voyais. Je me suis battue pour dire non à l'argent qui me fait perdre mon être et les valeurs de mon éducation et de ma nation et de ma patrie. Quand tu as évoqué et décrit ton projet, c'était moi que tu donnais de l'amour. Dans un instant où on ne savait pas si on allait vivre ou trépasser. Tu es venu avec ce projet pour pas que je lâche dans cet instant qui ne nous donnait pas d'avenir. J'ai dit oui en mon esprit, même pas mon corps parce qu'il n'était pas là. C'est mon esprit qui a dit oui. L'art est l'âme d'un peuple. Donc quand je chante en 3D. Je chante pour ce corps. Je chante pour l'esprit qui est derrière. Mais l'esprit qui est derrière, son père et sa mère, son cousin, son voisin. Donc, quand je chante pour une personne, je chante pour 50 qui sont derrière, qui sont impalpables. Donc, je ne chante pas pour plaire, mais je chante pour transmettre ce qu'on me donne, le devoir de faire ma part dans ce bien que l'on souhaite. Mais ce bien, c'est un devoir. Et c'est une grande responsabilité. Tu es un esprit. Tu vois. Et tu as le don de ramener à toi, tout simplement, tout ce qui pèse. Mais qui? Ça ne pèse pas dans tes mots, ni dans ton être, ni dans ta vision, ni dans ta foi en l'autre. Parce que l'autre, c'est toi. J'ai autre. Mon oui est au-delà de toi. Mon oui est un oui envers jaune et bleu. Mon oui est un oui qui prend sens sur cette terre qui m'a donné vie ou vie, mon cordon ombilical. C'est pas à toi que je dis oui.
J'ai dit oui aux enfants, des enfants, des enfants, de tes arrière-enfants. Pour que notre différence dans sa diversité reste. Je viens te dire aujourd'hui, en présentiel, puisque c'est le mot nouveau, pour exprimer le temps dans lequel tout se fait. Je t'aime. La division est une plaie. Alors, si on veut se soigner, l'entente nous aidera à guérir. Et c'est le travail que tu fais. Je vous aime. Mais c'est parce que j'ai reçu aussi. J'ai dit oui, avant-hier, hier, aujourd'hui, pour demain. Nous allons sans transition. Oui, vraiment sans transition. On garde toujours le je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Gabon. Voilà. Mais avant rapidement de passer la parole à notre maman, si je me trompe, mère Anne Badge, si je me trompe, l'une de vos premières prestations en France était à l'avant-première de la prestation de Mère Aziz Nanga. C'est ça ou c'est pas ça? Si j'ai bonne mémoire. Non, c'est pas ça. J'aurais aimé vraiment. Je voyais seulement à la télé ou au Canada. Non, j'aurais aimé. Mais si tu as vu ça, c'est que ça va se faire. Merci. Merci. Bassé. 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 Bonsoir, la mère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes encore sous le charme de l'intervention hautement lyrique de ma fille Aniflor. Donc, j'espère que je ne vais pas rompre ce charme. Et tout simplement, je voudrais ici m'adresser à tous en indexant particulièrement nos. Pourquoi? Parce que ma préoccupation personnelle en tant qu'écrivain, c'est d'imprimer notre culture, de la rendre visible. Il est important que nous nous approprions notre propre culture. Ainsi que dans mes écrits, j'injecte toutes nos valeurs pour la postérité. J'ai un certain âge et je me dis, qu'est-ce que nous allons laisser à ces enfants qui sont perturbés, qui sont dilués dans la mondialisation, où leur identité est complètement altérée. Qu'allons-nous faire pour les fixer, pour les raffermir dans leur identité culturelle? Et je me suis dit, c'est à notre génération de le faire parce que ils sont en fait de respect. Alors, quand nom est venu pour me demander ma reine, je dis mais qu'est-ce que tu me trouves, qu'est-ce que je vais faire, bon. Après il a simplement fondu le projet de conscience. Et je me suis dit, vraiment, avec ce festival de Black History Art, je vais nager dans mon mari. Vraiment, pourquoi? Parce qu'il a rencontré tout mon adhésion. Quand je vois qu'un jeune de l'âge de nous qui se préoccupe de l'identité culturelle de l'Africain, du Black, et qui veut aller en profondeur de ses valeurs en associant des personnes ressources, je me dis, mais il y a de l'espoir. Tous les jeunes ne sont pas là pour tout rejeter.
pour tout balayer d'un revers de la main. Non, il y en a qui vraiment se préoccupent de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je me réjouis du fait que écriture rime avec culture. Pourquoi? Parce que la culture, c'est l'homme. La culture, c'est l'homme dans son expression totale. La culture, c'est la dimension spirituelle d'un être. C'est sans quoi il croit, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est capable de produire ou de reproduire, de défendre et de proposer. Donc, ce festival cherche à nous situer, à nous placer dans notre caractère intrinsèque, c'est-à-dire qui sommes-nous vraiment. On me reproche souvent, en tant qu'écrivain, de dire « Oh, Justine Minta est toujours en train de parler du village. Elle est toujours en train de parler de le maître d'école, qu'il y a toujours la bouche, tout ça. Pourquoi, hein, à l'heure de, il y a les téléphones, il y a les cellulaires, il y a... Pourquoi les gens ne vont pas dans les avions, dans ces romans, pourquoi ?» Je dis, mais les avions et tout ça, d'accord. Mais nous, qui sommes-nous? Nous sommes d'abord, nos racines sont d'abord ancrées dans notre village. C'est là que se trouvent nos valeurs. Et nous ne devons pas avoir honte de nos valeurs. Comprenez? Quelles sont nos valeurs? Et que je cherche à injecter dans mes écrits. Nos valeurs qui nous sont propres, africaines, dans la société africaine, c'est le respect de l'aîné. C'est l'endurance. L'endurance. Il ne faut pas aimer l'esprit de facilité. Parce que l'esprit de facilité conduit à tout ce qu'on sait. Prostitution et j'en passe. L'esprit de facilité. Et il y a des petites choses qui nous concernent dans le comportement que j'injecte. Par exemple, dans Première Lecture, c'est un petit roman, un récit pour enfants, où j'essaye de dire aux jeunes Africains comment ils doivent se comporter. Devant les aînés. Comment il doit se comporter en société? Quelles sont les valeurs à promouvoir? Donc, j'ai un proverbe, un dicton de chez nous qui dit « Oberno kou, oberno zi, on kafe berno mange metanda, on bebe. » Ça veut dire « Tu dois avoir des repères à toi. Tu dois vraiment être toi-même. » Il ne faut pas penser que, bon, parce qu'on parle de l'Afrique, c'est folklorique. Non, non, non. Parce que je reviens là d'Oyem pour tourner un documentaire avec la chaîne de télévision franco-allemande Arte, qui est venue, ils ont lu mon roman Histoire d'Aou et ils ont décidé de faire un documentaire dessus. Et là, je n'ai jamais autant marché dans la brousse. Je devais aller dans la cour, aller dans les rivières, etc. Et tout. Je dis, mais nous avons tellement de richesses, pourquoi devons nous marcher dessus? Des gens qui reviennent d'Allemagne, de France, pour aller voir l'endroit probable où peut s'être passée telle ou telle action, avoir eu le courage de dire, ça c'est chez moi, je suis fier de chez moi. C'est pas les avions, c'est pas ceci, c'est pas... Voilà. Voilà comment je suis. J'ai dû marcher pieds nus. Moi, je vous assure, j'ai mal à la plante des pieds parce qu'il fallait marcher dans les cailloux.
et ça me faisait mal aux pieds, etc. Mais pour dire que, bon, ça ce sont des détails tout à fait anodins, pour dire que vraiment, je voudrais féliciter nos, par rapport aussi à ma qualité d'enseignante, où l'éducation est vraiment la base pour construire la personne, la personnalité d'un individu. On ne grandit pas comme ça dans la nature. Il faut avoir des repères. C'est pour ça que le livre, c'est comme un enfant. C'est comme un guide. Parce que enfant provient du verbe, du mot infance, constitué du préfixe in, négatif, et vari, par l'esprit qui ne parle pas encore. Il a besoin de voir ce qui se passe pour imiter plus tard. Mais les jeunes ont besoin d'imiter, mais que leur font nous. Juste pour prendre un petit exemple, vraiment, je suis désolé, je suis enseignante, on va beaucoup chez nous. Non, nous comprenons parfaitement. Donc, juste encore une petite minute, ma préoccupation également, pour ça que je félicite nous, il y a du moderne, il y a du traditionnel chez lui. Je félicite nous, pourquoi? Parce que il est également dans la préservation de notre patrimoine. Et ça, personnellement, c'est ma préoccupation. Aujourd'hui, par exemple, un jeune ne se considère pas marié s'il ne s'est pas marié à la coutume. Le mariage traditionnel, c'est ça, les alliances, la connaissance des clans, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne sait plus comment on doit se marier, quelles sont les étapes, première étape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire à la belle-mère? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à la belle-mère? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire devant le beau-père? Quand on est belle-fille, qu'est-ce que... Mais c'est ça. Hein? Bon, j'ai le doctorat, j'ai plus besoin d'aller à cueillir les feuilles de manioc, etc. C'est très important. Il ne faut pas faire ça. Donc, nous devons garder notre identité. C'est pour ça que j'avais plus ou moins initié un projet quand j'étais à la culture, où j'avais décidé qu'il fallait mettre des bases sur le protocole de mariage coutumier, par exemple. Parce que quand c'est écrit, ça ne bouge pas. Mais quand c'est oral, ça va, ça vient, ça se dilue, ça se déforme. Donc, dans mon écriture, j'essaye de préserver ce que nous avons de plus pur, de plus dur. Et, je le dis bien, toute tradition n'est pas bonne à suivre. C'est-à-dire qu'une tradition qui va à l'encontre des droits humains, pour ma part, n'est pas digne d'être respectée. Donc, moi, je fais un peu le point. Mais je veux dire que l'Africain, c'est quelqu'un qui a des valeurs qui sont absolument universelables, que nous devons également imposer, proposer aux autres. Être moderne ne veut pas dire posséder des insultes, être vulgaire, donc je suis civilisé. Non, il ne faut pas avoir d'être pudique, ce genre de choses. Donc c'est un peu le type de valeur que j'essaie d'intégrer pour, comme l'a dit mon frère Nicolas, on va laisser quoi? Ah, donc l'Africain, c'est comme ça, c'est pas ça, doit être comme ça. Et vraiment cultiver une personnalité qui lui est propre, même si ça va à l'encontre de ce qui se passe. Juste un dernier détail. J'étais membre du Haut Conseil de la Francophonie. Et les autres membres étaient les anciens présidents de la République, les Kofi Annan, etc. Tout ça. Donc, monsieur Abdou Diouf était notre chef, notre président. Et parmi les membres du Conseil de la Francophonie, il y avait deux anciens présidents. Mais c'était des Européens.
et de l'Europe du Nord, la Suède, etc. Et ils viennent saluer avec l'ancien président africain et tout. On salue. Donc les deux dames européennes se sont calmées. C'est un peu plus pour ça. Et puis, quand il arrive à mon niveau, je me lève. Mais, on ne se le rend pas. Je savais que dans certaines cultures, les dames ne se lèvent pas quand c'est un homme qui salue. Alors, quand Bibi arrive à mon niveau, je me dis, mon Dieu, c'est mon chef, c'est mon aîné, c'est l'ancien président de la République. Comment moi, il me met à bout de moi, etc. Je vais rester assise quand il fallait compter déjà. Donc, il faut aussi savoir s'imposer. Ça, c'est notre culture, c'est notre personnalité. On n'a pas besoin de copier. Le mimétisme, c'est pas. Il faut savoir choisir ses modèles. Donc, cherchons, essayons à trouver des modèles qui nous soient forts et que nous soyons capables de reproduire, présenter à notre communauté. Donc, encore une fois, je voudrais dire merci à toute l'équipe de Black History 1 et à tous les partenaires de ce magnifique festival qui est pluridisciplinaire, ce qui est vraiment un signe de qualité. Et je dis longue vie, vraiment longue vie à ce magnifique projet culturel et identitaire. Je vous remercie. Merci. Merci, maman. Merci. Darrel, oui. Je crois que cette partie-là, je vais te laisser, parce que depuis là, tu veux parler comment, hein? Tu as peut-être posé toutes les questions du monde. Et je fais partie de, je pense comme tout le monde ici, des personnes qui veulent écouter ce que maman veut dire. Vraiment, mesdames et messieurs, maintenant, madame, ma reine de la troisième édition du festival Black History Art, madame Aziz Inanga, vous avez la parole en vous. J'ai la parole en vous. Moi, j'ai le... Ah oui, on doit s'élever. C'est un honneur totalement pour moi parce que moi j'ai vu maman à la télé, je n'avais que 4 ans à la télévision et aujourd'hui j'ai 35 ans d'âge, je vois maman physiquement. Pour moi c'est le Michael Jackson. Pour moi c'est le Michael Jackson, donc vraiment c'est un honneur de recevoir et de savoir que maman aujourd'hui est la parraine de la 3e édition de ce grand festival où nous célébrons la noire et le black. Maman est belle, il n'y a pas une affaire de... C'est bon pour rien frotter. Regardez le temps, c'est authentique, c'est original et ça va avec. Elle est dans le projet. Maman, mère Aziz Inanga. J'arrive pas à dire madame. Mère. Mère Aziz Inanga. Mère de l'Emmanuel. Comment vous vous sentez? Je vous salue tous. Deux, quatre, six. Technique, c'est bon alors? 4, 6. Est-ce que je peux tester le micro que j'ai acheté avec mon argent, s'il vous plaît? 2, 4, 6. Oui, bien. Attendez, allô, allô. Oui. Je crois que je vais remettre oui, teste celui-là. Ce, oui, teste ce micro que j'ai acheté. Allô, allô. Tu peux le tester. Allô, test. Oui, c'est bon. 2, 4, 6. J'avoue que je suis très ému. Très touché. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très honorée. Moi,
sais pas faire les discours. Ce que je sais faire, c'est chanter. Mais comme les choses sont que je ne peux plus chanter. Alors je vais parler, si je parle le mot français, si je parle la mienne, à un fang, à un fono, à un maman. J'ai aimé quand ma fille à l'école, c'est le livre. J'ai aimé comme ma soeur, ma soeur de toujours, Justine Akara. C'est vrai que nous avons un rôle de transmission. Tout à l'heure à la maison, je disais à mon fils, je vais à ce festival. Uniquement parce qu'il faut transmettre. Nos ancêtres nous ont transmis une manière d'être, une civilisation qui n'est pas ignorée, mais que nous avons piétinée. Nous sommes très civilisés dans notre éducation, dans notre manière de diriger nos enfants. Que nous avons perdu avec tout ce qui se passe, je ne suis pas contre. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai chanté le retour aux sources, hein. Je trouve ses racines. Parce qu'un arbre sans racines tombe. Et un pays comme toi et moi, une personne qui le sait, c'est un arbre. Et quand cet arbre-là ne puise pas dans des racines solides, on finit par tomber. C'est la culture, c'est la tradition. Si nous n'arrivons plus à aller chercher ce que nos ancêtres nous ont donné, nous sommes perdus. Parce que nous sommes livrés à tout. Bon. Actuellement, je suis en train de ressusciter mon village. 60 ans, le village ferme. Les gens n'y allaient plus. Tu vois même rien, il n'y a que du sable. Et la première fois que j'ai mis pied dans ce village, c'est la première fois d'ailleurs. Je n'étais jamais parti, jamais écouté. On disait que le village est là, mais je dis jamais, je ne suis pas allé dans le village jusqu'à cet âge-là. J'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai chanté Vigna en même. Vigna veut dire retour aux sources. Ce n'est pas seulement le retour au village, mais c'est retrouver en soi, trouver la profondeur en soi, retrouver son être à vivre avec son intérieur, connaître d'où on vient et d'où on part. Bref, je ne sais pas faire des questions. Donc il a tout simplement dit que nous sommes des artistes. On est artiste, on meurt artiste. Si aujourd'hui je ne peux plus chanter, mais il y a d'autres dons, il y a d'autres talents, il y a une autre manière, il y a quelque chose qui peut faire vivre les choses. C'est pour ça que je suis venu à ce festival. Parce que j'ai trouvé que j'aime ma pierre. Souvent tout. On abandonne tout. Et souvent on est incompris même par des proches, par les enfants, par les proches, par l'entourage. Parce que c'est fortement ressenti, c'est que tu abandonnes tout. Mais c'est rien. C'est le prix à payer. Parce que nous sommes venus sur la terre pour apporter un message. Un message. Chacun de nous ici est venu pour une mission. Et qu'il faut accomplir. Chacun a son niveau.
chacun à sa mesure. Nous sommes tous des artistes. Tous ici sont des artistes. Parce que le plus grand artiste est Dieu lui-même. Il a mis au monde des artistes, des créateurs. Donc, nous n'avons rien d'autre à faire que de transmettre ce que nous avons pour inspirer les générations futures. Et je suis content d'avoir. Je ne parle pas bien parce que j'ai mal à la gorge et que je respire mal, mais je voudrais même crier parce que. Donc moi j'aime crier, crier de joie. Maman, je n'ai pas l'argent, mais voilà tout mon argent. Je n'ai le superficiel d'appeler à disparaître, c'est l'illusion. Mais ce qui est enraciné, qui a été dit depuis nos ancêtres, qui a été fait, parce que c'est les ancêtres, quand ils ont créé tout ça, hein, c'était pas à eux-mêmes, c'est Dieu qui est là-dedans. Ça, c'est nous. Merci.
recevons et nous transmettons. Il faut qu'il y ait des oreilles attentives pour écouter ce qu'on a besoin. Moi, j'avais l'impression que je prêchais dans le désert. Quand je chantais Vigna, je crois que je prêchais dans le désert. Quand je chantais Nkala, c'est l'impression que je chante. Puisque dans ma vie, elle change. J'ai l'impression que les choses s'empirent. Et donc, je disais, non, je prêche dans le désert. Non, je n'ai pas prêché dans le désert. Parce que quand je vous vois continuer, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose, une sémence. La sémence est là. Il faut que l'arbre qui a été planté depuis nos ancêtres ne meure pas. Il faut qu'elle continue, qu'il continue à vivre, à fleurir, jusqu'à l'épanouissement. L'arbre, l'amour, la culture, la jeunesse doit continuer à vivre. Je serais que je n'avais pas là. Je bénis Dieu pour tous nos talents, pour les dons qu'il nous a donnés, pour sa générosité et sa bonté, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Je bénis Dieu pour le compte, pour ce que nous allons aller de l'avant, il va contre nous. C'était difficile en français, mais si Mère Inanga disait cela dans sa langue maternelle, ça devait couler, parce que vous savez très bien que la langue française n'est pas notre langue, c'est une langue exportée. Si c'était dans la langue maternelle de Mère Aziz Inanga, ça devait être facile. Je vous demande une fois de plus d'applaudir encore pour notre musique. Vous allez devoir passer à la deuxième partie de notre entretien, mais très rapidement. Mère disait tout à l'heure de rester authentique. Moi, j'ajouterais aussi, restons aussi original. Mais en parlant de authentique et original, nous allons accueillir, recevoir celui qui est à l'origine de notre rassemblement. Je tiens à vous dire, il est authentique, oui. Il est original, oui. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rangs, à vos titres, la presse, j'ai l'honneur de passer le micro à l'homme, l'authentique, l'original, Slav Master. Et ne sera pas tout seul, il sera également accompagné
de la princesse, l'unique princesse, pour le moment de la suite, elle, plus rien à prouver, il n'y a plus rien à dire. Il suffit tout simplement de regarder, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Lauriane Ebogo. Normalement, c'était pas dans le programme. Moi, je suis plutôt en train de superviser, tu vois. Mais bon, puisqu'il faut dire quelque chose. Ça m'a varbié, l'homme si. Si. Nadia Koum, Nadia Bar, le si. Si. Et Yon, bique vous là, bique que Yarnunieu. Alors face à ça, si la question du changement climatique devenait la réponse au changement des mentalités, au-delà des apparences, si la loi de la nature s'inscrivait sincèrement dans le cœur de l'homme de telle sorte à ce que la politique de l'eau redevienne transparente. Le problème est urgent, mais si le problème devenait la solution des gens, du genre si les ordures devenaient de l'or, peux-tu me dire que tu aurais tort si la préservation de l'environnement devenait la raison de l'argent? Alors si et seulement si je m'aimais à y mettre en vers les vertus d'une économie verte, c'est parce que le nerf de la guerre interpelle la paix du cœur des miens et de la terre aussi. Si. Si. Si Guy Tongo Neges Prigui Ege Ugo Beugeur Ege Tigui Tongo Pangan Raga Lugo Neges Raga Jager. Mais oui, et Oumboulo Kanbat, il est Oumboulo Djaoukan. Et pour ça, culturellement, se réapproprier la parole revient à rétablir le lien avec les éléments qui nous entourent, tout comme cultiver la vérité revient à croire que la terre ne ment pas. Au-delà de l'oreille émotionnelle, je slame la voix de ses racines qui chantent à l'autre d'être lui. Car dans l'agora de la création, rien n'est contradictoire, tout est complémentaire. L'amour nous enseigne à semer des graines. Et pour récolter, il faut savoir recevoir, donc avoir de la patience. De vivre ensemble, savant tout, savant tant l'oreille, car dans le bruit de la vie, chaque son a son sens et chaque sens a sa science. Celle du dépassement de soi, c'est savoir se voir, voire même se concevoir à travers autrui. C'est prendre soin de soi, de son prochain et de la terre aussi. Si. Sigi Tongo Nege, Sigi Ege, Ugo Vegeur, Ege, Tigi Kongo, Kongo, Regarde, Ugo Nege, Sakage, Ege. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ça, c'est le message de la bantophonie qui est en réalité le thème de la troisième édition du festival, parce que ce festival œuvre non seulement pour une réappropriation culturelle, pour une renaissance artistique et pour une revalorisation de la couleur noire. Et donc, dans toute cette histoire, il fallait présenter ces femmes en qualité de marraines, parce qu'en Afrique, on est sur un régime patriarcat qui définit l'homme comme le chef de la maison, mais on est sur un régime matrilinéaire. Et on pense foncièrement que ce sont ces femmes-là, quand on parle de renaissance, donc il y a le mot naissance qui donne la vie, qui donne la vie. Et donc à la troisième édition de ce festival, voici la naissance. Voici la naissance de ce projet. Pendant trois éditions, on a œuvré, on s'est battu pour la naissance de ce projet. Et le nom y est, c'est Bantophonie. C'est Bantophonie. C'est vraiment le nom. On est en train de travailler avec l'équipe pour savoir est-ce que le festival va changer de nom finalement pour s'appeler Bantophonie ou garder Black History Art. Mais on est encore en train de travailler. Mais pour l'instant, tout au long de cette troisième édition, on va rouler dans la bantophonie. Et parce que la première chose, quand on apprend à parler, c'est d'abord écouter. Ça, c'est hyper important à dire. Tu écoutes et après tu dis. Et dire, ce sont nos arts oratoires. Quand on parle d'art oratoire au Gabon, il y a le slam aujourd'hui, j'ai la grâce d'être le slameur, mais il y a aussi avant le slam, le spoken word, mais bien avant le spoken word, il y a le mbet. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais parler de réappropriation culturelle, parler de slam, de spoken word, sans parler de mbet, ce n'est pas parler du Gabon. Et je ne peux pas être dans ce festival qui vient de s'ouvrir et ne pas vous faire écouter le mbet des temps moderne. Donc juste avant d'introduire
la princesse du Tandima, parce qu'on parle de culture de chez nous, je vais d'abord inviter deux poètes qui font dans l'art oratoire d'une bête moderne. Donc avec un tonnerre d'applaudissement, je vous demande de recevoir Chef Ella et de nous parler. Je crois que... Ah, est-ce qu'on peut parler sans micro? Oui, oui, oui. Je pense que c'est un peu mieux, hein. Maman. C'est avec un plaisir, je n'aurais jamais pensé ça dans ma carrière d'artiste, qu'un jour je serais devant ces faux mingas, des filles d'une noirceur intense, d'une beauté quincelante, de l'esprit du vent vivifiant, une beauté littéraire et, mon Dieu, maternelle qui nous fait encore penser aux beautés justement de notre culture. Mesdames et messieurs, j'ai découvert la culture par la lecture. Et c'est par cette lecture, madame la présidente de l'UTEC, que j'ai découvert l'homme bête. Ainsi chante un doute mon foulou. Que la mort prenne la rousseur. Madame. Que la mort prenne le noir. Noir, 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 oh mère. Homme primordial, suivrai-je à tous ces crimes rituels. Que la mort prenne l'arc-en-ciel, Mangan. Que la mort prenne le noir, noir, noir. Que la mort me prenne si elle en est capable. Oh les guerres. Yeah. Que disent les écrans? Les écrans disent que c'est l'arc-en-ciel qui engendrait tous les reptiles. C'est donc une manière de donner à l'arc-en-ciel, Mangan, le sens des créateurs des crocodiles et autres serpents, lézards. Ils sont des lignes, des plans, des cheminements, des contes, des histoires. Mais Mangan, l'arc-en-ciel de tout mon foulou, c'est de tout mon foulou. Un puissant guerrier, une folie et un bon sort au combat. Tu entretiens avec le chef Angwan une belle confrontation fraternelle. Cependant, colporteur de nouvelles est à Okui, le seul des mortels capable de faire sa guise aller-retour entre le musée national et un grand zormo par le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire informer, divertir, rééduquer, dans les contrées, les communautés, font de bien-être, mais plutôt privilégié. Car sur les capitales, il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général. Et le pôle, en passant par l'axe équatorial, tout le monde encore est un grand reporter. Un vrai envoi spécial. On dit qu'il a la rhétorique parfaite de l'Asie qui nous. Non. On dit qu'il a la rhétorique du parfait journaliste qui dénonce ses plans d'austérité et aime à raconter des histoires fantastiques. Mais qui ont toujours une part de vérité. Oh, la guerre. Yeah. Seulement voilà. Depuis un certain temps, les lèvres de Bobomo fournissent l'esprit de répit. Le pauvre n'a plus de repos. C'est l'air de mettre au défi, de voler tous ses défauts. Si et seulement si, il ose demander sa bouche de faire la langue de bois. Vous me direz finalement de quoi s'agit-il? Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une violation grave de la loi morale et civile. Et Bobo Fou le répète sans cesse. Il le déclame dans tout le nord-est. Il parle de sorte de phénomènes que les peuples de nos culs connaissent. Il le répète sans cesse aux guerriers, aux autorités et même à son altesse. Pour lui, il faut que le chef chasse son conseil politique actuel. Car c'est un charlatan, un assassin, un vrai criminel. Pour qu'en fait, cesse tous les crimes rituels. Mais le grand, le puissant, le distingué diable, le commun, chef du petit mais très riche village appelé Miang de la tribu des Kunkuma, l'entend pas passer sur oreille-là. Car de tous ses frères, c'est lui qui a pris le pouvoir à la mort de son père. Ah, son père, le diable, le Kunkuma. Que dit un homme, que dis-je, un chantre de la paix. Et le distingué chef, elle cesse de le confirmer à bas au corps de garde au conseil des sages, que jamais, jamais, je me séparerai dans le volonté de ce bas mon conseiller fidèle et ami personnel. Et d'ailleurs, c'est lui qui bouge, il bouge. Mais qui est en beauté de ce mort? Oh, les yeux. Mais qui est en beauté de ce mort? Ongoro Tetsuma est le fils de Tetsuma Dankoro, son puissant chef. Non. Ongoro Tetsuma est le fils de Tetsuma Dankoro, son puissant chef du pays. Il va passer maître dans l'escroquerie. Il a eu de sa femme et Luma Dabozo. Il a eu de sa femme et Luma Dabozo. Elle est une véritable félonie. Le super conseiller Ongoro est ma traité pour mon four de foyer. C'est celle que nous pouvons distinguer, chef. La meilleure alliance, la défense du village est bien bouillie en pleine émergence. Mais. Grâce à ses investigations, sa persévérance, au moment où il pose en plein dossier assez solide, on laisse plein de revient à Ngon et à sa toute puissance. Oh, la guerre! Yeah! Ngon, Zor, Mbe, Mumba. Attends, attends, on va faire Ngon, Zor, Mbe, Mumba. Hein? Ngon, Zor, Mbe, Mumba. On reprend. Ah! Ngon, Zor, Mbe, Mumba. La garde d'urne est toujours assurée par notre Mofo et qui est mon époux. La garde nocturne est assurée par le plus puissant des immortels, le Bondor. Et c'est à lui que va s'adresser notre colporteur de nouvelles. Mouinant, mouinant. C'est ainsi qu'on appelle le Bondor. Car depuis chaque jour, on ne meurt plus d'une mort naturelle. Mm-hmm. Nous ne voyons que des meurtres à caractère rituel. Nous vivons avec la peur de mourir avant que Dieu ne nous appelle. Mm-hmm. C'est quand même un phénomène terrible. On assiste à des crimes de sang de plus en plus horribles. Et le distingué chef de Djia Melonkouma refuse de laisser son conseiller partir et s'en aller loin de là. Mais grâce à toutes ces investigations, le bon vous repose encore des questions assez solides pour aller se plaindre d'un gong et à sa toute puissance. Oh, les gars! Yeah! À l'écoute de ce terrible rapport, au bon fou, en tant que derrière lui, comme des gouttes d'eau se reprenant, il voit la tête d'un gong, tout simplement découlinant de sang que les mains de tout mon fou, l'arc-en-ciel chantant que la mort prenne l'arc-en-ciel au bangan, que la mort reprenne, c'est un incapable. Oh, les gars! Yeah! Je. Applaudissez-la pour vous, merci.
qu'on vient de faire, d'un texte bête, qui est souvent très sensible, parce qu'on dit souvent qu'on ne dit pas l'art de nous, on essaie de ne pas se censurer. C'est un texte, on doit le partager avec vous, avec le moment. C'est un texte assez puissant, d'un bête, Yaoyop. Bekaboyono, le bon devenu mauvais. Bekaboyono, le bon devenu mauvais. Maître des Kaliques, Bekaboyone Kan dirige l'une des circonscriptions les plus importantes d'un grand zombie, vraiment, le pays des immortels. Bekalik recycle en temps réel tous les déchets humains que les guerriers follow raflent à occuper parmi les mortels. Parmi les mortels, les hommes les plus forts ont gardé l'espoir de trouver l'élixir de l'immortalité. C'est par là mort. Ils exercent leur pouvoir, font peur à l'homme pour plein du nord, tout ça pour mesurer leur autorité. Et ça, c'est bien le cas du très lucide, le mandé Yamata, chef du village de Namanga et de toute la tribu de Bizizima. Oh, la Le très lucide Alumani Yamata est un chef rebelle qui reste dans la lutte perpétuelle contre les sens de l'état naturel. Pour ceux, son régime est vraiment sévère et dictatorial. Son système est réellement despotique et impérial. Ses jolis sont extrêmement pléthoriques, plus effectifs les détentions marginales au feu sont lors des arrestations et des interpellations arbitraires. Plusieurs effets d'annonce, tout ça pour distraire la populace par l'abrutissement des masses. Le très lucide chef fait tout de suite au parallèle entre la main des immondices sociales au Madeleine et les poubelles de l'univers carcéral. Mimbo donc un univers tout fait de roc et de fer et au motif de l'usage de. Vous. On se voit écrouler dans ce parc réservé aux indisciplinés sous les ordres nationaux. Mimbo apparaît donc comme une réplique parfaite de l'Italie. Une véritable réplique. Le très lucide. Soyez indisciplinés et son suspicieux plan stratégique. Et la stratégie est fort simple et efficace. Traquer tous les usagers de vous voir la trace. Tout de faire des CVV. Coups et blessures volontaires. ABC. Abus de confiance. Vol, viol, meurtre et les recettes. Tout cité à la même instance établie au rang des infractions criminelles. Pourtant, vous êtes un véritable spirituel sacré de fer. Et l'aligning. La plante de vie originale. Oh, les yeux. Et aujourd'hui, rendons le cas des produits ici. Ainsi, Aïe Namanga, chef lieu de Bizizima, les OPJ, on les plébiscite. Ces auxiliaires de justice de l'abattoir au tribunal sont les premiers tortionnaires de frais bourreaux. Faut subir au supplice au gardé à vue avant que d'être mis au bon soin de la garde pénitentiaire. Ah, c'est bizarre. Comme c'est bizarre, car voici là où passe cette frontière le provenu du lobby banc, une quarantaine de ses frères, phares, extraits par des sbires en caboule noire de leur abat, leur corps de garde véritable bunker. Un véritable musée, mesdames et messieurs, avec vous, s'il vous plaît. L'illustre du Lorniban, chef du village Elon, est également le meilleur ami et le bras droit du très exécuté. Le fin père d'Alumani Yamata, donc des fins chefs, et de tous les. Le très exécuté Yamata Amadan meurt par suicide. Et devant la perte d'un homme d'un nom aussi translucide, la personne qui sait part plutôt d'une overdose de. Vovo. Ah, comment peut mourir de ça? Une overdose de. Vovo. Il dispose d'une condamnation à l'endroit de Milan, son illustre compère et principal fournisseur, imaginé pour ce dernier. Le choc est vrai. Pour l'enfant du village de Lornam. Tout ça, c'est de la provoque. Milan Liban est ton neveu de la grande tribu Yébor. On sait que ce d'autre. Chez ses oncles, quand. Vovo est la plante consommée par excellence. Cependant, depuis son corps de garde, la rose en cassa cité au Liban, capitaine Yengonzorme Bamamba. C'est là comment va-t-il venir quand le chef suprême des follow immortels fait appel à son chef suprême de la sécurité auquel il confère cette responsabilité. Après le même rituel, la qui est mon nom arrive de ce pas à Baba Bamamba. Chef à commande va tirer nerveusement sur son bobo. Et les gens reculent de stop, demandent les rapports détaillés à son seul chef sous les dérives autoritaires. Le chef est très lucide de tous les misis. La question de savoir comment une plante créée par Dieu, les amis Yamogoro, puisse être à ce point prohibée au point de porter à tête à la dignité d'une vingtaine d'églises étudiantines. Mais c'est bien lui déranger. Il a dit ça veut qu'on le piétine, qu'on le destitue maintenant parce que c'est un démon avoir ce conflit envers et contre tous les écans. En effet, réplique un bon homme. Finalement, tout cela s'explique. Vraiment, le très lucide, Alumani Yamata, pour ainsi dire, construit une moïse vulgaire parodie de l'Ukali. Continuez, on va mieux mot au moins le grand placement a été. J'ai donc observé le fond en comble, il me ressemble au schéma d'un État fédéral en pays de Sissima. Dites que c'est la 10e province où le directeur central de BPCN en est le prince. Nimbo, maison d'arrêt, c'est divise en quartier. Pour la tutelle, il faut que l'on disperse. Il leur dit bon et tous ses comparses dans des blocs tirés comme dans des bois de conserve. Vous voulez yeah. À l'écoute de ce terrible rapport, à combat, surtout son mobile si fort que toutes les extrémités de la terre, les profils. Les profondeurs abyssales des océans et des mers sont un point tellement réminué. Même l'air dans le ciel se retrouve pollué. Pollution due à toute la fumée de bobo, sortie de ses narines, c'est de la boca où il y en a quand qui envoie faire entendre raison à Lumani Yamata, à chef du village et de la manga et de toute la tribu de Bizizima. Et depuis ce jour, on entend, on ne crie qu'une seule expression adieu Mimbo, adieu la prison. Mais bienvenue à la Black History Art. Triangulaire commerce pour la complémentarité du besoin des uns et des autres. Et pour ceux qui savent, en Afrique,
qu'il existait déjà le commerce. À la sauvette, à l'étang, artisanal, bilatéral et multinational. Les marchandises s'échangèrent selon la loi universelle de l'offre et la demande du troc, aux ventes aux enchères et celles qui plaisaient à tous étaient à moitié vendues. Un champ lexical d'un amas de choses d'où la valeur ajoutée était humainement chère. Les commerçants, dans un rapport gagnant-gagnant, vendaient leurs marchandises en disant « Trompons-nous sur le prix, mais jamais sur la marchandise » dans les marchés préalables à nourrir les zones de chalandise. En marchant, ne sachant pas qu'eux aussi à leur tour, ils se feront vendre comme des marchandises. Les marchandises, qu'il n'y a point de commerçants, marchandises, que nous soyons intellectuels ou en alphabète rémunérés, nous sommes tous des commerçants. Pour offrir notre savoir et service sur le front, nous sommes prêts, même si parfois pour certains, le commerce sent et sent. Plus tardé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi attirer votre attention dans l'univers du commerce. Et du commerçant. Deux oreilles, une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que l'on ne parle. En commençant, par ce jour où j'ai muscé des pièces d'or et d'argent dans le commerce de l'art, à la parole, c'est un slam commercial qui se caractérise par l'achat, la vente, la discipline, la finance, le capital. Pour stimuler la croissance de la micro-macroéconomie, son importance est capitale. Il devient l'art de séduire, d'abuser du besoin, du désir que quelqu'un a de quelque chose. La conversation est un commerce et converser est le seul moyen d'en tirer quelque chose de même que la publicité sert à vendre quelque chose. Donc, en quelque sorte, dites au Covid commerce que l'argent n'achète pas les morts et que cette pandémie n'adoucit pas les mœurs. Ça n'est pas pour un masque plus cher qu'un morceau de pain. Qui est ? Vous en avez besoin. Chaque 3 minutes, il y a quelqu'un qui meurt de faim. La plus amère des vérités est préférable au plus doux des mensonges. Parole d'un fils de la terre mère révélée à travers un songe. Le bon commerçant est celui-là qui nous fait acheter ce qu'il a besoin de vendre. Nourrit tout le monde, dans la forme, profite de tout le monde, dans les normes, respecte les normes, car tout le monde achète chez lui, quelle que soit la somme. Il a ce pouvoir, mais le client a toujours raison aussi longtemps qu'il fait et donne des pourboires. Le commerce est la cause principale qui a permis à des milliards de personnes de sortir de l'extrême pauvreté en 30 ans. Commercial, épicerie, importation, industrie, échange, exportation, monopole du marché, bourse, affaires et communications, artisanat, bazar et spéculation, ou dans un monde où on vend tout, sauf rien. Le reste vend, l'illusion s'achète, le commerce va très mal. Même les gens qui ne paient jamais n'achètent plus le trafic, lui. Le trafic, le libre échange, la banque, la contrebande, au sein des brocantes florissantes, des ports, export, agriculture, colonie, concurrence et manufacture. Mais c'est au commerce de se plier à l'art, car la culture est la marchandise première et vedette d'une société spectaculaire. Alors, c'est désolant de voir des clients qui achètent et les commerçants qui vendent, sans vérifier la qualité du produit. Laissez-vous apprendre ce slam est à vendre. Et avant de l'acheter, vous avez au moins le temps de goûter le produit du commerçant. Que je suis là. Je demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Mais à quoi ça sert? Si ce n'est que pour voir à quel point on nous jette, à quel point on nous rejette, voire même à quel point on nous gère tous les jours un peu plus de plus. Alors je vous parle, même les journalistes de Gabon Télévision suivent l'actualité en regardant le journal le TV+. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça! Les Gabonais ont un problème de suivi. Et pour saigner l'abcès, j'ai essayé de suivre la sueur qui sied sous les seins de nos mères en assignant 3 lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème. Et voici le problème du Gabonais. Ça et ça et ça. Le Gabonais préfère faire la fête et payer les frais selon la droiture de sa raison. Donc 30 millions un Gabonais, à dépit de feindre les faits, il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3 quarts de son activité non informelle. Merde, le constat est amer depuis plus d'un cinquantenaire et pour calmer mes nerfs, il a enlevé 3 lettres au mot problème. RDL pour écrire le mot poème. Et voici le poème du Gabonais. Au travers de ces vers, en tant que bleu, je ne vous apprendrai rien, car rien n'est nouveau sous le soleil des vers jaunes bleus. Si ce n'est que les tam-tams se sont officiellement fait silencieux et que les sages se saoulent, sachant aussi que la raison se fait sourde lorsque les soucis font plus de bruit que les sous. Si, en signe de cela, je m'en tous ceci et seulement si, voici aussi ce soir ma part de pleurs, quand même le réservoir est plein et qu'il fait peine à voir le souvenir d'un pays béni par les dieux et dire qu'aujourd'hui sa terre est devenue tellement aride que même les corbeaux ne voient plus de l'eau mais de la bière. Voilà! Suite à la fuite des cerveaux, je ne vois plus que des corps et des chapeaux s'émouvoir à Yves. Voilà. Et on compte 1 802 728 raisons de parler d'un problème d'investissement sérieux. Car on sait que les seuls centres de divertissement ici sont le sexe, la drogue, l'alcool et les séries.
Additionnez à ce chiffre prolétaire la division ethnique multiplie le repli identitaire de 9 enfants de même mère. J'ai dit bien 9 enfants de même mère qui refusent de danser traditionnellement autour du feu sur la même terre. En d'autres termes, le moonwalk intellectuel active l'avancée culturelle vers le chemin de l'oubli. En vérité, je vous le dis, ceux qui chient sur le leader, eux aussi ont un problème de leadership. Du coup, ce poème est un appel à l'ordre de la rationalité, car ici on devrait parler d'un problème d'apport social et non de nationalité. Gabon d'abord, c'est le problème du Gabonais. Mais le problème du Gabon, c'est d'abord le Gabonais. Alors avant de penser à changer le Gabon, pensons d'abord à changer le Gabonais. Pour ma part, je m'imprègne. Et c'est au travers de l'art que je joue mon rôle. Je ne suis pas un slammer, mais un artiste qui pense qu'on peut changer l'environnement de par la parole. J'ai grandi en... Mon frère le Gabonais. J'ai grandi en terre étrangère et mon rêve est gabonais. Je m'appelle Franck Noël Mapesso et même mère du Rotterdam. Moi aussi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distinguées étoiles, parce que je considère foncièrement que vous êtes des étoiles pour ouvrir avec la voix d'une princesse, sinon d'une reine, le festival. Ma grande sœur, Lauriane. Et pour nous. Merci à la presse, c'est pas facile.
C'est vraiment pas facile. Et c'est important de penser à vous et de vous dire merci. Merci. Au slap. Les gars, big respect. Merci. Big respect. Big respect. Merci. Merci beaucoup. Merci, Anne Bach. Merci. 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 Il y a l'album, il y a le projet. Rapidement, on fait comment? Non, on est là pour le festival. Ok. Non, moi je fais mon coup. Merci aussi à maman, parce que vous savez, l'écriture, c'est une culture. D'ailleurs, continue d'écrire. Continue d'écrire et continue d'écrire. Pendant les prestations, Mère Aziz Inanga a été convaincue que le travail qu'elle a démarré depuis les années, on n'était même pas encore né, jusqu'à présent, elle est convaincue que cette culture, le message est réellement passé. Une graine a été plantée. Merci beaucoup. Mère Aziz Inanga, merci. Merci. Et merci. Pour nous, les jeunes, nous avons le devoir de conserver ce patrimoine, cette richesse que vous partagez à la jeunesse. Quant à nous, les jeunes, nous allons devoir nous battre de ramener nos frères et nos sœurs sur notre chemin. Notre rôle. On va dire 5, 10 minutes pour la presse, pour les questions. L'organisation a prévu quelque chose. Bon, les gars, tout le monde sait qu'on appelle ça l'after. Il y a un after quelque part. Donc, les hôtesses, on va inviter les officiels. Vous allez suivre les hôtesses qui vont voir les orienter pour la politique. C'est que nous, les hôtesses. S'il vous plaît, il y a la prison du Bec qui veut rapidement passer. Bonsoir tout le monde. Je suis Pulchérie Benoukoua. J'aime bien le prononcer comme ça. Ça s'appelle plus authentique. Écrivaine maintenant, parce qu'on revendique tellement ça. Et présidente de l'Union des écrivains gabonais. Maman Aziz, je suis. J'ai envie de faire comme elle a fait tout à l'heure, mais malheureusement, je n'ai pas de livre là sur moi pour vous donner. C'est un réel plaisir que d'être là. Surtout en face de vous, je crois que c'est la première fois que je vous vois. Pour moi, c'est un honneur. Ma soeur chérie, c'est pas la peine. Voilà, tu nous as toujours fait honneur. Alors, je suis ravie d'être là, maman Justine. C'est pareil. Donc, nos félicitations de nous avoir rassemblés. J'avais rapidement un petit message à passer pour dire que, effectivement, la graine que vous avez semée, cette graine-là a été semée sur la bonne terre. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir que les jeunes prennent la relève. C'est pourquoi, pour le mois de mars, le 8, le 9 et le 10 mars, l'Union des écrivains gabonais souhaite organiser un salon international. C'est vrai que ça se fait, hein? Ici, on a des salons déjà au niveau du Gabon. Mais la particularité de ce salon, c'est qu'il se veut un salon féminin. Donc on souhaite organiser un salon international féminin du livre et des arts. Parce que nous avons pensé qu'il était important pour le rôle qu'est le nôtre, nous les femmes, nous les mamans, de nous rassembler, nous les femmes, pour déjà entre nous partager nos expériences, pour entre nous nous conseiller, pour entre nous nous relever, apporter un peu de soi à chacune, mais surtout pour montrer à la jeunesse féminine gabonaise que la femme artiste gabonaise est pour le développement de cette femme-là.
Il faut que nos jeunes filles nous voient ensemble. Il faut que nos jeunes filles voient ce que nous faisons ensemble. Parce que généralement, tout le monde est de chaque côté. Maman, vous disiez tout à l'heure que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu votre sœur. Voilà. En attendant, vous êtes tous les deux dans Libreville. Si nous n'avions pas eu la charmante idée d'organiser ce festival, ce n'est pas évident que vous soyez ici. Donc ce salon-là, c'est pour ça. Le salon qu'on veut organiser pour rassembler toutes les femmes artistes gabonaises qui seront visitées par leurs sœurs qui vont arriver des pays étrangers pour que nous prenions notre rôle à bras le corps, que nous soyons, je suis sûre que lorsque je vais vous harceler d'ici là pour avoir vos photos, pour faire voilà, les panneaux, je serai présente. Je suis sûre qu'une fois que ça passera sur Facebook, que les jeunes verront que maman est là, que vous êtes là, tout le monde voudra venir. C'est simplement ça le but. Donc vraiment, tout à l'heure, là, je vais vous courir après pour avoir vos contacts, pour vous dire, Cocole Thiago, je voudrais que vous soyez là ce jour-là. C'est notre histoire à nous, c'est pas seulement l'histoire des écrivains. Je veux que nous soyons tous ensemble parce que nous avons une image à donner à nos enfants. Nous avons des choses à transmettre à nos enfants. C'est simplement ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rapidement, toujours dans les remerciements, on remercie les partenaires. Tous les partenaires, merci, merci. Gros big up à l'Institut français. Oui, monsieur. Bon, l'organisation... Bon, les organisateurs me disent non, il faut qu'on accélère. Donc, je disais merci aux différents partenaires. Maman Aziz a lancé les hostilités. Donc, rappelez que c'est du 1er au 28 février 2023. Donc, du côté du Musée national et l'Institut français. Donc, il y aura également plusieurs intervenants, beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup de responsables du cinéma, beaucoup d'artistes aussi qui vont partager leur expertise. Donc, on invite le grand public à participer à tous les différents rendez-vous. Donc, que ce soit du côté de l'Institut français, également du Musée national. On va dire quoi ? À tous, à chacun, merci, merci, Akiba, Akiba. Les officiels, vous allez suivre les hôtesses qui vont vous orienter vers l'apéritif. Parce que quand on dit after, maman Aziz ne sait pas de quoi il est question. Donc c'est l'apéritif. Voilà, c'est l'apéritif. Hein, c'est l'apéritif. Donc merci beaucoup et bon retour chez vous.